Toute ma vie, je me souviendrai du 6 avril 1994. Qui aurait cru qu'un jour on dormirait dehors, à la belle étoile, sur une bâche en plastique, au milieu des morts et des vivants, des vaches et des bananiers. Les bêtes sauvages et autres serpents avaient foutu le camp et nous avaient laissés seuls face à la sauvagerie humaine. Dans la nuit du 6 avril 1994, l'avion du président Habyalimana a été abattu. Un jour, à peu près à 15 km de Kigali, j'étais avec ma sœur et ma belle-sœur. On est arrivé à un barrage de Français. Ils nous ont arrêtés. Montrez vos papiers. On leur a dit, mais pourquoi vous nous contrôlez? Ça ne vous regarde pas, c'est pas une histoire de Français, c'est une histoire de Rwandais. Ils nous ont répondu, mesdemoiselles, on est désolés. Mais on doit vous contrôler pour savoir qui est l'ennemi. On leur a demandé, quand vous voyez nos cartes, comment vous voyez qui est l'ennemi? Ils ont dit, on sait très bien que les Tutsis sont l'ennemi. Ce jour-là, les Interahamwe nous ont tous alignés. Ce jour-là, ils ont fait leur choix. Ils n'ont même pas protesté, ils n'ont même pas pleuré. Ils ont été massacrés dehors. Bang, bang, tokoro, pop.